Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Kilaselai. I am Clan Zora, crew of the starship Nima, and you are an idiot. On se retrouve dans le The Witcher 3, The Wild Hunt. In English in the text, tu fais là. De quoi? Tu le disais, tu l'as dit avec un accent anglais. J'ai pas fait d'accent. Non, mais tu l'as bien prononcé, je veux dire. Tu l'as pas dit à la française. Oui, j'ai pas dit à la Wichter. J'arrive même pas à le dire. Rien ne presse. On reprend comme on avait fait dans l'ancienne vidéo. Alors c'est, on a mis j'ai rêvé de Kermoren. Dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi il y avait Triss. Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Pour ceux qui ont passé le didacticiel, en fait, Gérald a rêvé de Ciri pendant sa formation. Et à la fin de son rêve, Ciri est attaqué par la chasse sauvage. Et en fait, là, j'ai compris maintenant, c'est que quand c'est pan jaune, ça relance. C'est une secondaire. Non, c'est une secondaire. Je veux dire, si t'as plusieurs jaunes et un blanc, tu peux faire le blanc avant de faire un jaune. Voilà. Ouais. Oui, le jaune fait évoluer, les blancs sont. C'est des fois en plus. C'est des fois en plus, ouais. Tu as vu ces traces? C'est des bonus. Elle file comme le vent par monts et par vaux, presque sans s'arrêter. Elle est pressée d'arriver quelque part ou fuit quelque chose. Dans les deux cas, ça sent les ennuis à plein nez. Je serais surpris qu'elle n'ait pas de problème. Elle trempe constamment dans des intrigues de cour et des conspirations de mages. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. J'ai cru qu'une fois réunis, le calme s'installerait. Du moins pour un temps. Le calme? Avec Yennefer? Bon courage. Bon, on est obligé. J'ai trouvé Ciri et je m'entraînais avec elle. Ah, ce petit diablotin. C'est de bon temps. Bah, tout est expliqué en même temps, c'est un moyen de résumer ce qui s'est passé dans son rêve. Jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Même si, à mon avis, après réflexion, t'es obligé de passer faire le didacticiel. Tu peux pas le passer. Quand ils te demandent la question au début avant de lancer le jeu, c'est afficher les didacticiels et non passer le didacticiel. Ce n'était pas un simple rêve. Que dans le 2, tu peux le zapper. Il est secondaire, ouais. Nous lui avons mais pas dans le 3, apparemment. Elle ne craint personne, pas même les spectres. C'est ce qui est chiant dans le jeu, c'est que les quêtes secondaires, il y en a plusieurs que j'ai déjà envie de les montrer tellement elles sont intéressantes. Attends, elles ont des petits mini-scénarios. Elles ont tous des mini-scénarios. Tu n'as rien négligé. À la différence de certains jeux où. On devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le. Dying Light, par exemple, où. Il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Les missions secondaires, c'est le même principe. Tu escortes, même si c'est pas les mêmes personnes, c'est le même, quoi. C'est vrai qu'elle sent le. Tu traverses la moitié de la ville à escorter quelqu'un. Je croyais que tu voulais la lire, à la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite.
En plus, ce qui est bien, elles sont très variées, les missions secondaires. Aucune autre piste. Tu peux vraiment tomber sur des trucs invraisemblables. Quoi. J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Ah, les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, deux ou trois jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends. Oh oh. Tu les entends ? Je les entends et je les sens. Des goules. C'est pas gentil ça, un goût. C'est des gollums. Ils sont nombreux, hein. Mmh. Ce que j'aime, c'est mon bouquet de merde. Faut que tu débloques, hein, le bouquet de merde, comme tu dis. Non, celui-là aussi. Il protège déjà un minimum. Bah, un coup. Ah, une tête en moins. Aïe. Bloqué par un arbre, ça c'est con. Les armées laissent toujours des nécrophages ici. Filons avant que d'autres ne surgissent. Allez, on est coup. Attends, je vais ramasser les trucs quand même. Et en plus, il attend, donc c'est bon, il est pas pressé. Non, on n'est pas pressé. Non, lui il est pas pressé, je veux dire, il attend. Ouais, c'est clair. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Tu prends pas le cheval ? Non. Bah attends, ça fait plus classe au niveau. Il y a le cheval, toi tu vas à pied, ça va faire bizarre quand même. En mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants. Ouais, t'es content ? Oui. Bah oui, c'est beaucoup plus classe. Sa belle théorie est tombée à l'eau. C'est bien, Ablette. Reste appuyé dessus. Vas-y. Et touche pas la oui, tu peux ça. Il fonctionne tout seul. L'éclat. Si tu restes appuyé, il bouge plus. Je sais, je connais. Ouais. Bon, c'est pour vous. Restaurer les anciennes frontières. Merde, attends. Et tu y crois vraiment ? Tu cherches quoi ? Attends, je vais directement faire un truc. Ah, allez. On va explorer un peu. Plus vite. Allez, Ablette. Take it, vous allez Dalton. Ah, t'es noyeur. Oh putain. Oh, c'est salaud. Oh, bah sûr, c'est la fiole de merde. Elle a peur pour rien, cette conne. C'est sûr. Ouf. Ça fait mal, ça. Et ne l'abîme pas, hey. Ne fait pas mal à ça, au cheval. Quand même. Attends, tu t'attaques au niveau 3 et il était niveau combien aussi, toi ? Voilà, ainsi, hop. Je suis niveau 1, même pas. Je suis niveau 0, je pense. Allez, hop. 3 noyés, 1 noyé. Je crois que j'ai tué mon cheval, non ? Non, il est mortel, hein, pour le cheval, en vrai. Oh, waouh ! C'est pour ça que je suis venu ici, hein, si on a déjà des petits machins. Une belle épée, en plus. Alors, une belle boîte. On va essayer de les mettre, hein. Quoique, je pense que j'ai pas le niveau pour les mettre. Si, je crois que tu peux les mettre. Hein. Regarde, parce que là, il y a un noyer.
Il y a un noyeur. Apparemment, les noyeurs... Ils aiment pas le feu. Ils supportent pas le feu. C'est leur point faible, le feu. Attends, je... Ouah ! Et l'argent aussi, ils aiment pas. Pas se faire chier, hop. Voilà, tu as coupé en deux. Ouh. Langue de noyeur. Non, non, regarde si les objets que t'as ramassés sont... sont bien ou pas. Alors, inventaire. Oui, oui, merci, merci. Oui, on n'est pas cons, allez. Allez. C'est ça que j'ai pas mis, moi, dans mon truc, parce que ça me saoule, vite. Tu vois, tu peux la mettre. Voilà. Hop. Elle était mieux ou pas? T'as mis, ouais, c'est bon, elle était mieux. Ouh, oui, 7, 7, c'est beaucoup mieux, ouais. Ouais, quand, je sais qu'il y avait ça là, donc j'en ai profité, quoi. Elle est belle, en plus. Justement, il faut aller chercher les objets avant, tant qu'ils sont, ils sont utiles. Si t'attends d'avoir gagné un, ne serait-ce qu'un niveau, elle a beaucoup moins d'intérêt, déjà. Tu as pu sur rond, pas besoin de sauter. au début, je comprenais pas pourquoi elle pleurait, cette conne. Pourquoi elle pleure? Et attends, je sais, il me semble que c'est possible qu'il y ait des loups qui viennent attaquer. Non, c'est pas celui-là, c'est juste après. Non. Attends, on va fouiller la maison là-bas. Et encore. Hop là! Et attention, tu me cherches, tu me cherches. Attention, moi je suis un Witcher. Un Witcher. Oucheter. Oucheter. Non, il va me dire, mais arrêtez de me moquer de moi quand même. Un sorceleur, on va dire. C'est mieux ça. On est français quand même. C'est ça. Le sorceleur 3, c'est plus facile à prononcer aussi. Ouais, le sorceleur 3. Allez, hop. Allez, monte, monte. Ablette. C'est bien, Ablette. Tagda, 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 allez. Et pas omelette, comme dirait je sais plus qui. Ablette. C'est ma soeur qui l'appelait comme ça. Omelette. Oh. Attends, je vais te casser les œufs. C'est dans... Comment que... Last Action Heroes. Ouais. T'aimes les omelettes? Tiens, je te casse t'aimes les... Non, c'est... ça, t'aimes les omelettes? Ouais, c'est ça. T'aimes les... T'aimes... Bah oui, c'est... sinon ça n'a aucun sens. Ouais. T'aimes les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Et forcément, Charcy, lui fout un bon coup de pied dans les couilles. Et il décolle d'au moins un mètre. Première rencontre avec le griffon. Tu crois qu'il va venir t'attaquer? Mais non, il vient chercher sa bouffe. Tu crois quoi? Il s'en fout de toi. Ce qui est bien aussi avec les The Witcher, c'est que t'as pas intérêt, sauf vraiment en difficulté comme on est ici. Je suis même pas sûr que y aller direct sans te préparer, tu pourrais pas gagner. Ouais. Je pense que tu peux gagner. Celui-là, si tu peux. Dans le genre en difficulté facile, tu peux. En difficile, c'est mort, c'est impossible. Il faut bien le préparer, mais bon, dans celui-ci, t'as. Après, il faut voir les. Même en facile, hein, il faut voir les créatures. Les, un spectre de midi, de minuit, ou même n'importe quel spectre, en fait, si tu débuffes pas de piège pour le faire midi, apparaître. De midi, tu peux encore réussir. Mais de minuit, ouais. Minuit, tu deviendras en translucide et que tu peux pas attaquer. Si tu ne fous pas un piège, tu peux toujours y aller. Hein. T'arriveras ouais. À rien. Quelques couronnes ne seraient pas de refus quand même. C'est que ma bourse est bien vide en ce moment. Les Nilfgaardiens. Pourquoi moi ce que je l'ai fait, moi je l'ai pas fait payer. Hein. Ah, ça, tu voulais faire méchant, c'est ça. C'est vrai que tu voulais faire méchant, toi.
Mais non, mais bon, lui, il a aucun intérêt à être gentil avec lui. Alors, la piste ? Bah si, tu sais qu'après, il te fait des... Si tu es gentil avec lui, il te fait des réductions dans tous ses objets. Il le fait quand même. Ah ouais ? Ouais. 50% de réduction, un truc comme ça. Long et noir. Ça vous dit quelque chose ? Hyper canon. Non, mais... bien roulé. Super bien roulé. Seul de la région. Une bonasse en gros. Tête de gland comme lui, il aurait aucune chance. Je me tairai sur la référence de quel gland. Je dirais pas non. Je crois que tout le monde l'a pensé avec lui, parce que franchement, le popol, ça le fait vraiment pas. La coupe de cheveux, quoi. En fait, mais c'est une coupe de cheveux qui était à la mode à l'époque. Bah oui, la coupe popol. À croire qu'il se mettait un bol et qu'il coupait les cheveux qui dépassaient, quoi. C'était ça, à l'époque. Mais ça ne la rend pas plus jolie... pour autant. Elle est quand même merdique. Attends, je vais quand même me soigner. Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la grande route... Il a peut-être été attiré par... Attends, je vais essayer de faire un truc, mais... Ah oui, si. Attends, je vais me faire une petite réserve, mais... Ouh, putain, merde. Mais descends là, comment tu veux descendre? Ouais, Rankin, ouh, putain. Non. Il est niveau combien, le gars? Il était niveau combien, le gars? Il est en rouge, là, il est niveau fort, quand même. Je voulais descendre de mon cheval, rien d'autre. Non, en plus, ils sont niveau 16, les mecs. T'es complètement... Non, mais t'es fou, que toi, il est niveau 16, ce gars. T'as aucune chance, ils sont 7 fois plus forts que toi. Attends, hop, on va... Non, mais le deuxième, il va tuer un coup, là. Il va tuer un coup. Mais non. Il te touche, et toi, t'es mort. C'est vrai qu'ils sont un peu beaucoup pour faire le con. Ah, ouf. Non, mais je te... Voilà. Ceci dit, à un coup, tu meurs. Oui, c'est clair. Mais le truc, c'est que... Ils sont niveau 16, les gars. Tu perds tout ton fric, et ça, c'est... Non, pas tout ton fric, mais il perd un peu, ouais. Tu piques du fric, ouais. Et c'est que avec tes gardes que tu peux faire ça. Parce que j'ai vu que les bandits, tu meurs et tu t'es fini. Ah ouais, mais ils ont déjà piqué, je sais pas combien j'avais, mais... Ils ont piqué plein de thunes, bande de connards. Hein. Bon. Sinon, je voulais descendre de cheval, faire ça... Oh, merde. Attends, ça, méditation, bon, durée. Ah, oui, ça va, je sais comment fonctionne la méditation, merci. Tu sais que tu peux faire que un carré, c'est largement suffisant. Ça sonne quand même. Ouais, non, mais c'est pas pour le soin. Attends. Esprit des adversaires, Axis. Je contrôlais des poules. Et moi, je te conseille de bien améliorer ce pouvoir. Parce que ça, ouais. ça tu pourras contrôler des, tu pourras manipuler des gens. Je sais. À la suite. Parce que moi j'ai fait la grosse connerie de pas le faire dans la partie et je l'ai fait trop tard dans ma partie moi. Des cuisses de poulet. Oh putain, ça c'est le truc que j'ai horreur avec les poulets. Et apparemment ça le fait encore, ce truc de merde. C'est quoi? Avec le poulet, tu tues des poulets, tu ne peux pas récupérer leur viande. Tu vois, t'as plein de cadavres. Normalement, si tu regardes comme ça, tu vois que tu pourrais avoir plein de viande. Tu peux ramasser. Mais non, regarde. Reste appuyé. Reste appuyé sur la vue truc, tu peux le ramasser normalement. Tu vois, t'en as un ici parce qu'il est au-dessus du sol. On voit le cadavre même. Tu vois, tu peux le ramasser. Par contre, celui-là, c'est comme si la viande passait en dessous du sol. Un rien en dessous du sol, conclusion, tu en chies pour le récupérer. Tu sais le récupérer, hein, mais il faut vraiment tomber dessus pile poil. C'est un des problèmes de ce jeu. C'est que des fois, t'as des contextes, des trucs contextes. Il faut vraiment tomber pile poil dessus. Sinon, si t'es pas vraiment dessus, t'es...
Ouais, bah c'est pas rare, alors, à la limite. Oui, ici, c'est du poulet, tu t'en fous. Mais tu te retrouves parfois à te retourner dans tous les sens pour essayer de ramasser une viande ou un objet. Un ennemi que t'as tué, tu veux récupérer les épées, bah tu t'en chies pour récupérer son épée parce qu'il est mal tombé. Et c'est le cas ici, par exemple. Bon, tant pis, on s'en fout. J'ai récupéré de la viande. Donc on va la mettre d'ailleurs. Parce que le poulet, je pense que c'est un peu plus intéressant. Oh, mais ça... Pas plus que ça, non. Pas plus que la viande crue. Oui, la viande crue, oui. Bon, le pain... C'est un peu plus intéressant que le pain, quand même. Oui, à part que je suis con, je viens de me reposer. Oui, désolé. T'as enlevé le cru, la viande crue. Mais c'est surtout que j'en ai utilisé un pour rien, quoi. Bon, allez, hop, on y va. En avant! Et j'aurais pu le tuer. Tu devrais dégainer ton épée, ils vont avoir peur à la fin. Et puis, c'est... Non, mais arrête, je vais pas me balader. Alors, attends. Hop, ça, c'est toujours bien, la vache. Le mec, à peine arrivé en ville, il fait un massacre de poulets. Et bon, tu n'attaques pas, oui, t'attaques, ouais. Ah, fais chier, saloperie. Je n'ai rien eu, saloperie. Deux vaches et elles m'ont rien donné. C'est une honte. J'aime pas, même pas du lait. Rien que dalle. T'as vu le truc que c'est, il te donne rien. Ouh, des poules. Oh. Tu vas te faire chier à tous les tuer ou quoi? Non. J'ai juste en tué un ou deux. Tu t'es tout tué là, tu sais. Ah bon? Non, pas encore, il reste encore deux. Non, il reste un. Zéro. Et ils sont tous morts. Oh putain, et comme d'habitude, c'est le poulet, hein. Les poulets, les coqs principalement, qui ont juste problème de la viande passe en dessous. Les autres animaux, généralement, ça va. Mais les poulets, les coqs, c'est énorme comment ça passe en dessous. Ouais, peut-être comme tu dis, parce qu'ils sont, c'est des gros animaux. Bon, attends. Hop, on va ramasser. Tout qu'on y est. Des orins, ça c'est bien ça, les orins. Après, il faut aller à Novigrad pour les orins. Pourquoi tu menaces? Parce que je suis un connard, ouais. Non, tu les crames pas. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas les ennuyer après. Tu vas les gardes qui vont encore te faire chier, ils vont te piquer du fric. M'en fous. Je survivrai. Allez, survive. Ah. Allez, on se voit! Alors attends, hop. Bon, le problème avec ce truc, c'est que. Bon, si vous avez envie de lire les trucs, vous faites pause. Hein. Ouais. Il est loin le temps où je lisais toutes les notes. C'est chiant surtout de lire toutes les notes. Oui, hein. C'est surtout que t'aimes pas, donc forcément, je me sens obligé de ne pas le faire. Bon, on va faire sa mission, lui. Elle est rigolote. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. Je me suis fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout! Je suis désolé. C'est suspect. Oh merde, je croyais qu'il allait être plus cafant que ça. C'est que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Mais tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Dans l'unique forgeron, il a bien fallu que je m'y colle. Jurasca bosser, faire à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières. Et les commandes. Les humains, ça les dépasse. S'imagine que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne ne me parle. Ça crache sur mon passage. Et maintenant, ça.
Bon, on va le retrouver. Hein. À condition d'être payé. Ouais. Il va le pendre, ce con. Donnez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Chat, ben ça va. Attends. C'est... Tiens, on voit pas de traces. Non, c'est au fond. Non, derrière la cabane. Elle les traces. Derrière la cabane, derrière la... Attends, je vais quand même profiter pour me mettre un bonus. Taper un truc de... Ça ne devra rien faire. Là, elle est là. Alors, encore un petit coup. Quelque part peut-être. Non, rien. Tiens, ça c'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas de trace? Normalement ça va vers la rivière. Elle est où la rivière? Bon, on verra plus tard. Attends, hop. Je prends les gens, papa. Pas grave. Si, la famille. Service de sécurité. Je te crois, ouais. Vos pickpocket de la sécurité, ouais. Service de sécurité. Je peux même m'assurer de la sécurité de votre dentier. Ouais. Alors attends, peut-être qu'en mettant les quêtes, elles sont où les quêtes? Ah! Leader et Grosseille secondaire, disparu climat incendiaire, c'est celui-là, non? Ouais, climat incendiaire. Alors peut-être que ça va m'aider. C'était pas loin. Là, je l'ai vu. Là. Voilà. Peut-être que. Tu devrais l'enclencher, non? Trace de bottes. Ouais. Un homme grand. Il faut enclencher la mission pour qu'il cherche les indices. C'est ça. On peut examiner, mais bon. Non, mais c'est toujours la même chose. Tu diras, les traces viennent par ici. Blablabla. La limite, c'est quand il arrive dans l'eau qu'on peut le faire, parce que là, il change un peu. Ah, les traces disparaissent. Oh là là. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brûler. Je sais, il faut aller. Moi aussi. On va le prendre. Ouais, il est haut-rein. Le marrant, ce qui est marrant, c'est les haut-rein, ce sont les, c'était les la monnaie de, dans le 2. Ouais, mais avant la... avant l'invasion. Bah c'était la monnaie de ses mariages. Des noyeurs. Les orins. Mais il a réussi à filer. C'est ce que je te dis, c'était avant. Eh putain, ça je vois ça. Saloperie de noyer de merde. Ils sont rapides en plus. Ouais mais vas-y quoi, t'es en plein blabla et paf, tout comme un coup de noyeur. Vas-y quoi, saloperie de monstre de merde. Ouais. Chiant. J'ai un cerveau. Ouh, les noyeurs ont un cerveau. Bah oui, c'est assez humain. Eh tiens, des poules, ouais. C'est pas des poules ça, c'est des oies. Bah si, il y a une poule là. Enfin un coq. Oh, c'est le même. C'est des oies ça. Ça c'est des oies, d'accord. Tu vois les yeux superficiels. Oui, ça va, j'ai vu. Tu vois, les oies, elles, quoi, peut-être qu'elles sont plus grandes, conclusion, tu vois, le truc à ramasser, t'as l'impression qu'il est loin dans le sol, il est pas sur le cadavre, il est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il se trouve dans le sol, comme s'il était plus loin. Mais les... Ah, putain, mais arrête avec ton truc, j'ai compris que c'est... Chiant. Par contre, les poules, je sais pas pourquoi, ils n'aiment pas.
Sauf ici, là, ça va. Ils le corrigeront peut-être. Parce que non, le plus j'ai compris, pour la version 0.5, ils vont corriger encore plein de petits bugs. Ouais, mais bon, le problème, c'est que les poules, j'arrive à les faire réapparaître encore et encore. Donc je me fais facilement des trucs de poulet. Tu fais 3 mètres, tu reviens sur tes pas, ils réapparaissent. Donc si patchent, ils vont peut-être patcher aussi. Tu vois, il y a déjà des poules qui ont réapparu. Mais ça c'est après c'est la réapparition, c'est logique, parce que c'est le jeu, je veux dire, qui fait ça. Merde, attends, j'ai fait comment? Oui, c'est ça. Hop, et... La piste s'arrête ici, mais je l'identifierai, ouais. Au play. Attends, je vais en profiter pour prendre des objets. Parce que d'ailleurs, la première fois que je suis venu ici, avant d'avoir la quête, j'avais trouvé le mec avec son truc rouge. Mais je me demandais... Pourquoi il était blessé? C'était quoi? Ouais. C'était quoi le truc rouge? Il était blessé, infecté, lui couper la main, genre pour éviter qu'il se transforme en zombie et te bouffe la cervelle. Ou en lycan, ouais. Ou en loup-garou, ouais. Mais non, en fait, non. C'est plus simple que ça. Les griffures de noyeur, c'est sûrement lui. Allez, hop, on y va. Vilaine plaie, tombé sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Il a l'air d'être un gros coconard, mec. Roman est charmeur. Je crois que je vais appeler cet épisode « Je suis un Jedi ». Pourquoi? Parce que j'utilise mon pouvoir de Jedi sur les poules et sur ce mec. Capable de tout pour un d'or, ces gabots-là. C'est eux qui fourrent des épées au livre gardien pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison. Mon nom est Obi-Wan. Écoute, on peut s'arranger demain. Je te paie. Et je suis un peu plus beau que lui. Mère est mort très sympa et j'ai vendu ses outils. Enfin, mis à part peut-être... On lui dit quoi alors? Gentil ou méchant? On peut le laisser filer, ou pas. Mais c'est un gros connard, On va le faire prendre, tiens, on va le faire prendre. Non, pas question, pas tu viens question, avec moi. Tu viens avec moi. On va le faire prendre, tiens. On ne m'achète pas. Ouais, c'est comme... Chuck Norris dans... Edith John. Et là, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Tout doux. Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous recherchez. En plus, c'est bien le même geste que. Oui, que les. Que Star Wars. Là. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Allez, bouge ton cul. Ou je te crame. Oui, c'est crame. Bah, il vient ou quoi, le pendu? Ouais. Bah, il est complètement bourré, surtout. Eh, hey, t'as vu? Ouais. Et déjà, il y a encore les crânes, il y a encore les trucs d'avant, et pourtant, les trucs sont revenus, tu sais. Ouais, c'est ça que... Bon, j'en profite, hein, je me fais une réserve de viande. Ça prend la place, mais pas beaucoup, ça prend 0,01, je crois, tout comme ça. Je crois que je dois avoir 150 viandes dans ma partie. Ouais. Parce que bon, la première partie, la vidéo 1, j'avais pas encore joué, j'étais plus sous de The Witcher. Mais si, j'ai bien joué. Donc ça va, je connais les mécaniques et tout ça. Mais bon, dans ma partie, Gérald, par contre, lui, il est toujours puceau et j'ai toujours pas touché à une femme. Bah non, mais c'est la suite du 2, donc le 2, il s'en a tapé des filles. Ah oui, mais bon. Tiens, il y a de nouveau des contrats. C'est les mêmes, là, sauf que c'est les c'est juste contrats. Du blabla, en fait. Le problème, c'est que une fois que le panneau est blanc, en fait, il n'y a plus de contrat à prendre. C'est ça, non? C'est toujours intéressant parce que tu peux avoir des informations pour tes éventuelles quêtes et recherches. Ouais, mais il n'y a pas de nouvelles quêtes, je veux dire. Non, mais c'est... Tu peux éventuellement avoir des infos, mais c'est tout. Ouais, c'est utile quand même. Tiens, j'avais oublié que tu n'étais pas obligé d'attendre qu'il vienne là. Debout là-dedans. Ah, sur ce coup, il était moins gentil qu'Obi-Wan. Et voilà. Debout là-dedans. Un villageois pyromane. On le fait pendre ou alors on essaie de calmer le jeu pour qu'il se fasse pas tuer quand même? On joue le méchant ou on joue un Sith ou on joue un Jedi alors? Un Jedi quand même. Je suis Obi-Wan. Je suis Obi-Wan et je suis toujours puceau.
Non, Willis. J'étais sous. Je savais plus ce que je faisais. Je voulais te dire, maître Willis, on vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. De toute façon, je pense que quand tu le... C'est lui, là, tu l'amènes, c'est obligé qu'il soit pendu. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement, n'importe quel arbre fera l'affaire. C'est radical, quand même. C'est clair. Tu sais que normalement, tu peux le sauver encore. Tu peux le sauver, hein. C'est sévère. Ouais, c'est sévère. Les vies des joueurs, c'est... Et mérité. Vous savez, au début, je haïssais les Nilfgaardiens. Comme tout le monde. Aujourd'hui, je me dis qu'on pourrait peut-être ramener l'or. Apprendre les bonnes manières en les pendant à des arbres, c'est sûr que ça va... Votre prime. Ça va leur apprendre les bonnes manières. J'ai réussi à récupérer deux ou trois choses. Mon enclume est en bon état. Je vais pouvoir continuer à marteler. Vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi, je vous ferai un peu. Ouais. Donc je disais que normalement, tu peux encore le sauver, hein, en retrouvant les gardes et en tuant les gardes, mais au niveau où tu es, tu te fais massacrer, ouais. C'est pas grave. Allez, ils sont partis par où? Par ici? Non, mais ils sont morts, c'est fini, mais ils sont... il faut le faire avant que tu parles avec lui, mais... avant que tu parles, t'es obligé de lui parler, c'est cinématique. Non, mais je sais plus, après il faut aller. Tu fais exprès ou tu fais exprès? Mon dieu, je vais te taper d'un brick. Tu m'énerves. D'un brick, fais gaffe à ta tête. Ça, vas-y. On fait un peu de récolte là. Valise. Mitty, allez, c'est pas une cerise. Oh, j'ai rouillé, ça c'est clair. Requiert une clé. J'ai pas encore trouvé comment rentrer dans ce truc. Ça requiert une clé, mais j'ai jamais trouvé la clé. Voilà, où allons-nous? Je sais pas. Bah, on continue un peu solo, non? Ouais. On va jusqu'à l'auberge. On finit l'auberge, après on arrête. Bah, on a fait 38 minutes de vidéo. Ouais, tu sais bien que quand on prend trop de temps, après on va passer l'heure. Alors autant dire, on passe l'auberge et on arrête et on sera à 3/4 d'heure. C'est sûr, le temps de faire l'auberge, ça va pas prendre 30 secondes. Hein. Pipi. Qui a pris cette chanson? Écoute-moi bien. Plus jamais tu rechantes tes terres. Plus jamais. Et plus question d'aller jouer avec Chetty. C'est mon meilleur copain. Chetty, je suis tous nous faire pendre, oui. Si je te revois avec lui, tu le regretteras. Ouais, c'est marrant, la première fois que tu passes devant, c'est marrant, tu rigoles. Ah, c'est con. Oh. Par contre, à chaque fois que tu passes dans le village, ils refoncent. Ça, par contre, c'est moins bien. J'ai déjà entendu au moins 10 fois ce truc-là. Plus que ça, encore moins. Ouais, mais c'est pour bien montrer que c'est pas... On n'exagère pas quand on dit que ils ont un peu exagéré le nombre de fois. Ouais. C'est indéfiniment, ouais. Ouais. Voilà, je sais. Tu vois, par exemple, c'est des imprévus. Je dis ça, on arrête tout de suite parce qu'il y a toujours des imprévus, comme genre récolte de viande. Ouais, moi j'adore, c'est des trucs de feu, les trucs de feu, je veux dire. Les débris de flammes. De murs brûlés. De murs et de. On a compris. Et de sol. Respire. De sol aussi. Respire. Bon, allez, hop. C'est bien fait, je crois. Peut-être quand même aller faire ces petites conglingues. Attention. Une beuverie.
On va se bourrer la gueule. Quoi? Décrochez ça si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. C'est Nivka maintenant. Mon cul, oui. Gueux. Tu crois qu'il va monter une révolte, mais... Oh là, j'ai la tête qui tourne. Il est joli quand même, je trouve, leur blason. Bon, on sait que t'aimes bien la fleur de lys sur un fond bleu. C'est bon. Surtout que c'est identiquement le même blason que le roi de, que les rois de France. C'est pour ça que j'ai dit ça. T'es un putain de royaliste, va brûler en enfer. J'en suis fier. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Vive le roi. Ah non, vous en avez plus. Si, il y en a encore, hein. Mais il est pas au pouvoir, c'est tout. Il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Une vilaine bête. Vilaine? Moi, ça ne me fait pas rire. Elle a mis les nains en charpie. La pauvre a déjà un pied dans la tombe. Mais ça ne sert à rien. Juste un petit. Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez de la vodka? On voit que c'est... On voit que le jeu... La vodka... Alors, attends. On va te faire tourner bien. Il y a un contrat pour le contrat. Le griffon. Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, il ose même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage, on aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. C'est avec cette phrase qu'on se dit quand même que c'est des sacrés enfoirés, les sorcellaires. Pas d'argent, ça décharpille. On s'en fout, il n'y a pas d'argent. Bah, il faut bien qu'ils vivent, les mecs, hein. Ouais, elle porte peut-être un parfum de lilas et de gros. Quand même des salauds. Je ne l'ai pas vu et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Merci pour tout. Merci. Ce sera tout. Les soins d'esprit se rencontrent parce que c'est exactement ce que j'étais en train de mettre. Et dans ma partie, c'est marrant, il n'y avait pas de dire adieu. avant, il disait que ça, mais depuis la version 1.03, ils ont rajouté des trucs de fin. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Voilà. Bon, je crois que c'est je bon. Pense qu'on va arrêter parce que de toute façon là on va voir le Gwyn 2, pas des Gwyn. Donc ce serait mieux de commencer la vidéo en expliquant ce que c'est, sinon après ça on va le faire en express et là ce sera pas bien. Ouais, mais ça, on fera ça dans la prochaine vidéo, les cartes. Ouais, ben c'est ce que j'ai dit. Ouais. Très bien. Bon. Okay. Désolé pour le peu d'action qu'il y a eu dans cet épisode à part. Tu rigoles, tous les doyens que t'as tués. On a tué trois poules. Et les noyeurs. Deux vaches. Et tu t'es fait triper par des gardes, je trouve que c'est pas mal quand même. Ouais, ça va. C'est pas comme si c'était vraiment pourri. Par contre, n'hésitez pas à vous mettre dans la vidéo. Ah, mais je vais essayer de le trouver. Je crois que je ne peux pas. Attends, je vais faire un... Il est là, il est là. Oui, ça je sais, merci. Et je vais essayer de faire un truc. Oh merde. Ah non. Tu. Ça fait quoi là? Bon, ben, on passe directement au combat final. Ah, t'es pas obligé de le faire. Non.
Oh, la tête qu'elle tire. Reculez, ouais. On va faire ça. Reculez. Tout va très bien, on peut s'en aller. Tout va très bien, vous pouvez vous en aller. Il fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Voilà. Ça raccourcit le combat. Des fois, quand tu sors ton épée, ils ont peur après. Ouais, tiens. Allez. Ce fut un plaisir. En plus, tu t'es pas tué, en plus, tu as juste. Ouais. Attends, voilà. Ce que je voulais voir. Ah, mais oui, ça va. DH, tu m'as dit. C'était. Répondez dans le truc si je prends l'armure de Temeria ou si je finis le jeu comme ça. Merci de m'avoir en armure comme ça. Enfin, le jeu. La si vidéo, je continue. Oui, on peut la continuer avec la nouvelle armure. Hein. À la marchandise. J'ai pas vu encore l'armure de Temeria. Mais en plus, on a une nouvelle armure, la Nilfgaardienne. Ouais, l'armure de Nilfgaard. Mais elle fait moins armure. Elle est classe quand même, non? Celle-là. Non, ce que je voulais dire, c'est combien, de dire si on la quoi, c'est ça? Oh non, les merdiques, d'accord. Les merdiques, ouais. Putain, pourquoi tu faisais les merdiques, ouais. Derrière les merdiques, je veux dire. Pour nous, non, pour ce niveau-là, non, mais je veux dire. Déjà, je vais prendre la selle parce qu'elle augmente le. Oh merde. Non, t'as pas de fric. Pas assez de fric. Tu peux vendre des trucs. Ah ben attends, je vais vendre. Vendre ça et ça. Et normalement, ça devrait être bon. Tu peux vendre d'autres trucs, non? Ça va. Ah, j'ai perdu. 183, ouais. Pile. Voilà. Hop. Bon, est-ce que je prends l'armure qui vend ou pas? Au revoir. Je sais pas. Ce sera la question. Alors, attends, on va mettre l'objet et après on se quitte. Voilà. Et donc, merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de liker. Et de vous abonner, de partager. Et de nous suivre sur Twitter. Et voilà. Enfin, et tout ça. Voilà. Allez. Bye bye. Merci, bye bye. À la prochaine.